Bonjour, je vous avais dit que je ferais un petit peu un update de ça ressemble à quoi les préparatifs pour l'autosuffisance ou l'autosuffisance, c'est-à-dire pour pas être obligé d'aller à l'épicerie pendant. Ben moi j'ai fait un an là. Là ça c'est fait, ça fait un an. Et donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un bordel de cuisine. Donc, on est déjà là, un bordel de cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée à la cueillette. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Mais aussi, récemment, je suis allée dans ma famille dans Charlevoix. Puis, ben, ma grand-mère et mes parents cultivent. Donc, ici, j'avais comme à peu près, tu sais, vous voyez ça ici, ça, c'est rien. Je devais avoir 6 fois cette quantité-là de fleurs d'ail. Donc, j'ai fait du pesto de fleurs d'ail. J'ai aussi, j'espère que vous voyez, ouais, c'est ça, j'ai fait des conserves avec de la fleur d'ail marinée. J'en ai aussi blanchi pour les congeler. J'en ai profité pour faire, de mettre en canne aussi, voyons, des haricots et des carottes. Et, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, j'ai évidemment, une fois qu'on a cueilli des légumes et des fruits, il faut faire quelque chose avec. Donc, je les ai lavés. Donc, je les ai cueillis, je les ai lavés. Là, c'est en train de sécher, en fait. Fait que ça ressemble un peu au bordel, sincèrement, là, quand c'est le temps. Et les congélateurs ont aussi l'air d'un bordel parce qu'il est en train de congeler les framboises. Parce que c'est ça, j'avais à peu près 2 plateaux comme ça de framboises. Et en train de faire congeler ma première batch de. Ça, c'est du pesto de. D'oignons verts, parce que j'ai beaucoup d'oignons verts. Fait que j'ai fait du pesto d'oignons verts aujourd'hui, du pesto de fleurs d'ail. J'ai aussi mis en conserve là, ce que vous avez vu. Ouais, puis là, ben, je sais que j'ai encore bien des affaires à transformer. Pourquoi aussi c'est le bordel? C'est parce que là, on se rend compte des choses qui sont dans le congélateur qui sont pas mangées, tu sais. Fait que là, faut sortir qu'est-ce qui est de l'an dernier, puis passer ça avant de mettre le nouveau. Faut faire du ménage dans ce congélateur-là si on veut manger des aliments qui ont encore des nutriments. Alors, ça ressemble à ça, sincèrement, la préparation pour l'hiver. Là, justement, j'ai. Oups, ça coule partout cette histoire-là. Ici, voyez-vous, pas tellement, mais ce sont des. Attends, je me tourne de sens. Ce sont des fans de radis. Donc, je suis allée à une petite fermette. Excusez-moi, vous devez avoir mal au cœur, arrête pas de tourner, mais c'est vraiment as is, là. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire, mais je voulais absolument faire ma parole. Donc, c'est ça, j'ai des fans de radis. Dans le fond, c'est les feuilles des radis. Les fans de radis, les fans de bétaca. De betteraves, les fans de carottes. Il y a plein de fans qui se mangent, mais c'est meilleur quand on les apprête. Fait que là, je me prépare à faire une crème de, justement, encore des oignons verts. Justement, il commence à avoir un petit peu la binette basse. Fait que de la crème d'oignons verts, de fans de betteraves et de pleurotes. J'ai pris des pleurotes aussi où il y avait les radis. Donc, quand on veut avoir de la variété pendant toute l'année, puis que évidemment on habite dans un endroit qui a l'hiver, ben il faut transformer, il faut faire des conserves, congeler des trucs. Donc c'est là-dedans que je suis. D'essayer de jeter le moins de choses possible, évidemment. Fait que pour moi, des radis qui viennent avec des feuilles, il faut que je mange des feuilles. T'sais, c'est comme ça que ça se passe. Fait que ça demande un peu de temps, un peu d'apprentissage aussi, un peu de créativité. Yes! Donc, des prochaines nouvelles dans les prochains jours.